Salut YouTube, on est de retour sur Fiends Folio, sur Benigo Isaac, repentance toujours. On a fait déjà moult challenge, Frogmoth qui était un vrai plaisir. Non, Isaac Rebuild qui était un... Ok, Tower Offense, ok. Le 4 qui était une horreur. Mais on a survécu. Et ça c'est beau, merci Ténébros pour les 32 mois de plaisir. Bon, dans la logique, un horrible, deux ok. Donc normalement là, on a fait un horrible, donc le 5, The Gauntlet... Ça devrait être ok. Testons l'efficacité de The Gauntlet tout de suite. Là maintenant j'ai le droit de rager, hein. Je vous préviens, le truc de rager c'était pour avant. Hein? Qu'est-ce que... Bonjour? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est le green mode? Bon, j'ai pas l'argent. Moi j'ai pas l'argent. Bizarre. Oula, 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 doucement, doucement, mon pote. Il fait quoi, lui? Ah, il fait ça. Mais il est horrible, lui, casse-toi. Et comment on gagne de l'argent? C'est le green mode, mais sans le green... Quoi? Mais il y a plusieurs boss? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le but, c'est d'aller à Mom's Foot, mais comment? Comment? Ils ont fait un hub spécial, quoi. Bon, attends, on va faire un boss pour voir. Qui lui? Ouais, cool mec, cool, cool. Mais ils sortent d'où là? Ok. C'est bien, en tout cas, j'ai des dégâts de fou. Ah! Ah bah super, je m'attendais trop à ce qu'il fasse ça. Mais qu'est-ce qu'il branle? Ah, il est su. Ah oui, bah c'est cool en tout cas. Bon bah c'est cool de mourir en tout cas au premier boss. Je vais peut-être chercher une salle d'objets du coup. J'imagine qu'il va me donner énormément d'argent. Son gameplay est intéressant en vrai au boss, hein. Il est super bien fait, hein, je trouve. Genre on comprend ces phases, hein. On les comprend bien. Et elles sont vachement intéressantes, je trouve. Ah bon, je suis un peu pris au piège. Ok, ça va. Il va me le cracher à la gueule. Ah non, il... Ah oui, bah oui. Putain, il est trop stylé, le boss, en vrai, hein. Ok, évidemment. Une clé rouge. Quoi, ça va servir, cette histoire? Il faut buter des boss pour avoir de l'argent. Mais moi je veux bien un objet là, mais Oh, j'ai le droit de me prendre les cailloux, ça c'est bien ça. Ah. Ah ouais. Faut buter un nombre de boss spécifique pour arriver là. Ah ouais. Oula, Griddlehorn. Mais c'est un boss rush en fait. C'est un boss rush des nouveaux boss là ou c'est juste que j'ai pas de chance? C'est un boss rush sauf que je dois avoir des objets, j'en ai pas. Ok, il va les enflammer, faut faire gaffe. Ah ouais, il va être dur ce défi, il faut que j'ai... Faut que j'ai là les trucs qui augmentent mon attaque et tout là. Rester trop... Oula, 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 frère. Il a fait spawn ça à 1 cm de moi, pas cool. C'est bien, je suis pas du tout pris au piège, là. Oh, je me sens tellement mieux maintenant. Oh! Maintenant que j'ai le droit de bouger où je veux. Ah, je m'y attendais pas, celui-là, j'avoue. C'est un peu de la triche, ça. Bon, bah, je vais mourir. Hein. Je pense que je vais reset, parce que j'aime pas mourir. J'ai trop d'honneur pour me laisser mourir. D'accord, il l'a lancé à un endroit auquel je m'attendais pas. Je pensais qu'il est lancé sur nous, mais non. Est-ce que c'est toujours les mêmes objets? C'est toujours les mêmes objets. Oh là 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 là. Et alors, la question étant, est-ce que c'est toujours les mêmes boss? Et je pense que oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est que ce délire Là, ça va être Monstro. Ah, Ghostbuster. Mais c'est le même boss que tout à l'heure, mais en fantôme. Ah, je suis pas forcément content de savoir ça. Oh, marrant. Putain, ils sont trop forts. Et il est trop stylé, leur boss, là. Leur boss mouche, il est trop cool. Par contre, un peu moins cool, tout ça, là. Ouais, ce serait bien quand même que j'ai le droit à un peu de damage up au départ, quand même. C'est énervé de faire un boss... de faire un boss sans aucun item. Il est trop stylé, le boss, hein, par contre. Ah, c'est marrant, la mécanique. Ah, sympa, ça, c'est cool. Ouais, c'est pas vrai, c'est pas vraiment cool. Ok, 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 ok. Pas forcément évident ce qui se passe là. Ouf. Ah, c'est bien, je lui ai fait beaucoup d'ennemis en tout cas. Hein. Beaucoup de dégâts, pardon. Ok, je commence à voir ces phases. Ça va être facile pour autant. Je sais pas s'il y a vraiment une strat pour esquiver ça, mais... Il est vraiment stylé, hein. En vrai, il est giga stylé, leur boss. Mais du coup, ouais, du coup, comment je fais pour augmenter mes dégâts et tout, quoi? Je pense que le plus rentable, ce serait actuellement le Small Rock, hein. Damage et Tears Up, hein. Damage et Tears Up, ça serait le plus rentable. Aïe, 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 oh là là. Oh, marrant, la tête du boss. Ah, mais il y avait un trou, je le voyais pas. Ok. Ça va vraiment être dur. Hein. Caca Monster. Ah bah, c'est cool, ça. Ça me fait pas plaisir. J'étais concentré sur les ennemis, frère. Non, mais il spawn trois trucs. Frérot, t'as vu la puissance de mon... Oh, il est horrible, ce... On n'a pas assez de DPS au départ. Y a pas moyen de se faire un petit peu de... faire un petit peu de DPS. D'accord. C'est pas un plaisir. Non, c'est pas un plaisir, c'est pas un plaisir. Ok, il va encore me balancer sa merde. Oui, merde. Ouais, c'est foutu, hein. C'est foutu, hein. C'est bâtard. Bah ça va, frère. Mais c'est abusé. Mais c'est abusé comment ils sont ultra... Ils ont chopé le seum, les boss, là. Wesh. C'est quoi, ça? Un boss, quand tu le butes, il a 75 phases encore. Heureusement que j'étais loin. Putain, mais j'ai pas assez pour me prendre un cœur et un objet. C'est trop... C'est horrible. C'est vraiment horrible, hein, comme défi. Parce que là, actuellement, il me faut surtout de la vie, quoi. Mais si j'ai pas de puissance... Y'a quoi à gauche?
Oh non, pas lui. Oh, c'est loose. Lui, j'ai rien compris à... C'est horrible, on doit faire un boss rush quasiment vanilla, quoi. Après, je pense que la méta... Je pense que la méta, c'était de faire justement ça dans cet ordre-là. Je pense que lui, il a moins de vie que les autres, non? Ah bah c'est bien, je suis bien, là. Ah bah c'est cool, en tout cas, vas-y, vas-y, balance encore des ennemis, c'est cool. Ok, pour l'instant, je gère. Bien sûr, il est munisé aux bombes. Ah merde. Ok. Bon, je vais pouvoir m'acheter enfin l'objet. Bah, on va passer sur... En vrai, j'ai un peu peur aussi du Small Rock, parce que Small Rock... La prior card pour avoir plus de vie, mais jamais on l'a. Jamais on la recharge, la prior card. Soit le damage up, tears up, soit vraiment je prends juste un damage up normal. Ouais, je vais peut-être prendre le damage up normal, hein, parce que... Après je perds en speed quand même avec ça. C'est damage tears up, et ça c'est damage health up. Range, ouais. De ce côté, on a Aries. Aries qui pourrait contrebalancer plus tard. Tianani Thomas, par contre, jamais été fan de ce truc-là. Un objet de Yopi, bon, au final, pourquoi faire solo. Spoonbender, après, c'est pas un mauvais investissement, cela dit. Spoonbender, c'est... Tu tires un peu au hasard et tu touches quand même, quoi. Ah, y'a un magasin. Bizarre, ça. On va avoir un boss. Ah non. Les Whispers. Oula. Ah, j'aurais peut-être dû aller mettre les clés dans leur truc, par contre. Ok, ils font quoi de spécial? D'accord, on les a jamais vus. J'imagine que quand on va en buter un, les deux autres vont devenir fous. Oh, le stress qu'ils mettent. Ils sont stylés. Simple, simple, efficace. Oh, c'est à la... Oh putain. Ah putain, j'ai perdu la phase. Je veux pas perdre contre pitié. Le bâtard. Allez, allez, vite, 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 vite. Ok. Bon, bah, finalement, on n'en tue pas un. Bah, ouais, maintenant, je suis dans la merde, j'ai besoin de soins. C'est super chaud. Et en plus, le double cœur, il est plus là, hein. Le double cœur, c'est finito. Ah ouais. Ouais, si j'ai coup pour avoir un truc, au final, ça sert à rien. C'est chaud.
Oh là, c'est chaud qu'à pique, hein. On va avoir un boss abeille. Oh, j'ai pas hâte. Oh, les abeilles, elles me terrifient. Elles ont une mécanique de dard, là, qui rebondissent sur les murs et tout. C'est pas... Ça me fait pas plaisir. Honey drop, ok. J'espère qu'on va la finir assez vite. Ok. Pour l'instant, c'est gentil, hein. Ça me fait pas plaisir, ces mouches-là. Je sais pas ce qu'elles font. Bah, ok, bah maintenant, je sais. C'est cool. C'est cool d'apprendre sur le tas comme ça. Voilà, les fameux. Hein. J'ai bien fait prendre un cœur, du coup. Hein. Ah, et donc, le dard ne revient pas. Et elle chie du miel à l'infini. Ah, bah, c'est cool. Je pouvais deviner qu'elle allait faire ça. C'est bien, ça. C'est cool, c'était facile à deviner, non? Vous l'aviez, vous? Aïe, 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 j'ai pile 15, frère. Je vais mourir, c'est tout. Bon. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, tout ce que je vois pour avoir une chance de survivre, c'est prendre ça, non? Faudra... Ah merde, mais c'est vrai qu'il y a la clé à 5 balles aussi, ça... Faut voir ce que ça fait la clé à 5 balles. Bon, ce qui est bien, c'est que là maintenant, les deux autres boss qui sont en haut, je sais c'est lesquels. Et c'est... C'est bien officiel, du coup, ce sera toujours les mêmes salles. Donc maintenant, j'aurai plus trop de facteurs de surprise. Je vais aller faire... lui, en premier. Je l'ai bien aimé. Allô ? T'emmerdes tout le monde. Normalement, maintenant que j'ai plus de dégâts... Oh, j'ai oublié déjà. Le fait que les mouches reviennent de... du terrain, c'est très très... ça fait peur. Oui, c'est vrai que ça fait ça. Ouais, avec plus, de dégâts, ça fait plaisir quand même. Avec plus de dégâts, ça fait plaisir. Ça se passe beaucoup mieux, hein. Forcément, là, dès qu'il y a du dégât et du homing, on est mieux, hein. Oui, d'accord. C'est gênant, quoi. Cringe. Bah, je vais aller voir ce que c'est que la clé. Ça me... Ça m'entoure l'eau. Ça m'interloque. Et là, c'est juste grid à l'intérieur et je pleure. Open all doors in the room, including secret room, challenge room and the mega Satan door. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Qu'est-ce que je suis censé faire de ça, frère? Oh, c'est que doit y avoir des salles secrètes et tout. Ah ouais. Peut-être que ça ouvre... peut-être que ça ouvre les blocs clés, mais... Bon. Ok, Griddlehorn, c'est parti. Bon, lui, il va peut-être me saouler un peu. Si j'ai pas de chance au niveau des patterns. Puis l'astuce, c'est faut vraiment être loin de tout ce qui peut prendre feu. On l'a compris, ça, maintenant. Oh, il a des faces débiles, là. Il est débile. Ah, il fait tout dans le mauvais ordre. Let's go. Il fait tout dans le pire ordre qu'il pouvait. Et bah, on l'a bien baisé. Hop là. Ok. Ok, encore un boss. Ah, peut-être qu'on va y arriver, hein. Qui sait. En vrai, le damage up, range up, plus homing tears, c'est vraiment un très bon combo. Hein. Ok, sympa.
Damage up, range up et homing tier, c'était vraiment le bon combo, comme ça au moins on tire à... Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, il me donne pas envie de fouler. Il va foncer tout droit, certainement. Le bâtard! Et ça m'a fait un dégât entier, non? Oh! Ah, mais lui, je l'ai jamais vu de ma vie, donc je sais pas ce qu'il fait. Voilà. Ce qui est dommage, en fait, quand tu découvres un boss, après, t'as toujours ce problème. Putain, par contre, il est stylé! Bah... Moi, je me suis dit, il faut prendre l'objet. Ok, bah, du coup, voilà, mais putain, il faut avoir les méta, quoi. Faut avoir les méta. Ok, maintenant, on a les méta. On va se faire les boss les plus faciles en premier. Bon, on va tourner. Donc, lui... En plus, maintenant qu'on a la méta, logiquement, je devrais me prendre moins de dégâts aussi. Maintenant que je commence à connaître les boss. Si je me débrouille... Mais, oh bah oui, bah spawn sur moi, oui. Prochaine fois, spawn directement dans mon cul, mec. Sympa. C'est un peu abusé, ce qui vient de passer. C'est cool, en tout cas. Envie de reset, hein. En vrai, je devrais. Je vois pas pourquoi je me ferais chier à Parisette alors que j'ai pris des dégâts non nécessaires en début de run, quoi. On est pas sur le même build dans la peau. C'est bon là, tu me spawns pas dessus maintenant? C'est cool, merci mec. Oh, mais il a plus de range que moi, c'est bâtard ça. J'ai été trop haut par rapport à ce que je pensais. Ah, c'est bien, en tout cas, je peux plus le toucher là. Ok. Oh pitié, arrête, on a compris, frère. Oh, il casse la tête là. Laisse-moi te toucher, c'est abusé. Frère, sa phase elle est horrible. Mais vas-y. Mais il laisse même pas une seconde de répit, cet enfoiré. Ah oui, d'accord, maintenant il peut nous foncer dessus, bah d'accord, première nouvelle. Oh, j'en ai ras le cul de ce gars. Oh, j'en ai ras le cul de ce mec. Oh, je le déteste, ce gars, c'est vraiment... pas un plaisir, hein. Bon, bah on va faire celui-là, alors. Ce qui est pas une bonne idée non plus. Oula. Doucement. Oh, si je me fais avoir par une de ces araignées, je pète un blanc. En fait, le problème, c'est que comme on a zéro stuff, c'est long à crever. C'est long. Ah ouais, bah trop bien le fait d'être acculé contre un mur dès le départ. C'est cool, ça. C'est une bonne stratégie du boss. D'avoir zéro objet, hein, vraiment. Oh non, pas ça. Ah oui, d'accord, cool. J'ai toujours pas la méta du boss, hein. Je l'ai affronté qu'une seule fois dans ma vie, désolé. Hein. Casse les couilles, putain, ce boss, je le déteste. Hein. En vrai, ça va, je le déteste pas, mais juste, je suis mauvais. J'arrive pas à voir la trash totale qu'il fait. Ah, c'est bien, je peux pas le toucher, let's go. Okay. Bah ça s'est très bien passé, c'est faux, c'est vraiment de la merde. J'étais à chier, voilà. Aïe.
débarrasse de cette saloperie. M'en fous, je tente. Hein. Je dois limite pas m'emmerder sur ces boss, sur ces ennemis là, ils servent à rien ces ennemis. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il en fait une tourelle en fait, ok. Je commence à avoir le dos aussi. Ouais, en fait, il faut pas se concentrer sur ces ennemis. Si tu te concentres sur, les ennemis, tu perds du temps de fou. Ok, je commence à comprendre. Tu n'avais pas touché, c'est bien. Je vais directement commencer par le mushroom. Quoique j'ai envie de tenter la strat du small rock pour cette fois. Damage et tears up, c'est pas mal aussi. Hein. Du tears up, vas-y, je tente ça. Je vais tenter ça pour commencer. Une vie pour un steam sale. Bah là... Malheureusement, il n'y a pas de RNG dans les objets, donc c'est compliqué. Et je crois que je suis... Ah non, c'est bon. Il y a un autre boss ici, je sais plus c'est lequel déjà. Ah oui, oh, c'est la reine des abeilles, va falloir que j'ai un peu de chance sur ces patterns. Parce que j'ai pas beaucoup de... Allez, j'y vais quand même. Ah, j'aurais pas dû... Oh, mais elle est différente, elle. Attends, tu vas me dire qu'il y a les variations des boss du jeu des boss du mode. Visiblement, oui. Hein. Ok, maintenant j'ai peur. Bah, visiblement, oui, il y a vraiment une variation, quoi. Ok. Si je vais assez vite. Si je vais assez vite, je pourrais me la faire. Let's go. Ok. Ok, bah, elle était plus simple, celle-là. Hein. Putain, ça veut dire que je peux avoir une bad luck sur les mobs. Je peux avoir une bad luck sur les boss. Ça n'est pas particulièrement plaisir. Ah, je vois pas quoi c'est ça le lock-up. On a rien qui est influencé par la lock, non? Bizarre le jeu. Il fait des choix bizarres des fois. Ok, bon, normalement, lui, ça devrait le faire. Maintenant qu'on a compris la méta. Après, voilà, on a vu, c'est surtout au niveau de ses phases que tout peut changer. Si on a des bonnes phases, c'est facile, sinon c'est horrible. J'ai l'impression que si on a sa méta, ça va le faire quand même. Oh, le bâtard. Il suffit de rester loin de ça. Si je reste loin de ça, je gagne. Faut que je fasse attention à sa boule là. Ok, il n'y a plus de boule. Ok, mec. Bizarre. Ouais, ça va. Hein. Une fois qu'on a sa méta, il est pas gratos, mais presque. Let's go. Merci beaucoup l'hélicoptère. Let's go, ok. Ah, quand on commence à voir la méta des boss, c'est ok. Hein. Tout d'un coup, c'est pas la même game. Là, j'hésite. En fait, j'hésite à prendre le Odd Mushroom pour être encore en mode damage up et tout, et regagner un point de vie. Ou à me soigner et à faire un boss pour avoir Spoon Bender. Mais je me dis maintenant que je commence à voir la méta des ennemis, il y a peut-être moyen que ça le fasse. Après, ouais, je me traîne le cul, mais... En vrai, si on a la méta des ennemis, y a des ennemis, t'as juste pas besoin d'avoir la... de traîner le cul au long, quoi. Allez. Lui, il est un peu rapide, c'est vrai, mais bon. Il a que deux potes, what the fuck. Ah, voilà, il y en a un peu plus, ouais. Ah, bah voilà.
Le manque de vitesse les mecs qui se sent là. Bon, par contre les dégâts ils font plaisir. Hein. Les dégâts ils mettent très très bien. Là le boss il tient un peu là. En vrai c'est ok. Le boss ne tient plus. Je vais me prendre le cœur par sécurité. Voilà. Allez, c'est parti. La version Dustbusters était marrante, hein, elle. Très... Franchement, je suis admiratif de leur boss. Hein. Je suis admiratif du travail sur les boss, ils sont vraiment exceptionnels. Hein. Attention ici, voilà. Pourquoi ça déjà? Bah, c'est vrai que le manque de vitesse, ça peut être un problème quand même, mais bon. Voilà, ça se passe. Ah oui, j'ai oublié ça. Ouais. Bon, c'est que la deuxième fois que je l'affronte lui dans ma vie, quand même. Ok. Oh, le manque de vitesse m'a fait très peur ici. Ok. Il est vraiment stylé, là. Le cacamancier, on a vu qu'il était casse-couille, hein. J'espère que ça va bien se passer. Je sais pas si j'ai vu toutes ces phases, mais c'est vrai qu'il va falloir que je fasse attention avec ma vitesse inexistante. Ouais, ça va être un problème. Ok, faut que je bouge. En fait, dès que je le vois bouger, faut que je bouge moi. Voilà. Le bâtard. Je vais le faire avoir, mais ça va. Il y a déjà une barre, hein. Déjà mis de bas, hein. En vrai, maîtriser, lui, c'est pas un problème. Tiens. Faut que je fasse gaffe, là. À tout moment, il fait tout péter, là. Ok, vas-y, meurs là. Voilà, comme ça, il me fera pas chier. Facile. Let's go, sans se faire toucher. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, on commence à voir le truc. Alors, du coup... Oh, j'ai bien envie de partir sur le Spoonbender pour être vraiment efficace au niveau de métier. Hein. Après, Ariès, pour regagner toute ma speed, sinon, ça peut être cool. Enfin, pas toute, mais une partie, quand même. Mais non, en vrai, Spoon, hein. Oh ouais, je vais garder mon idée du spoon. Je vais les remettre là-bas, là, eux. Parce que je pense qu'il me manque un... Ah ouais, il me manque le pire. Il manque celui que je connais pas encore, comme boss. Il manque le seul boss que je connais pas. Et que j'ai pas eu trop l'occasion de comprendre encore. Et ça va, je suis encore un peu plus fort que tout à l'heure, donc ça devrait aller... Wow, wow, wow. Mon manque de vitesse va peut-être me foutre dans la merde, mais bon. Les meltdown. Voyons voir, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, faut pas que j'attaque ça. Un piège, voilà, ok. Quand on a la méta, c'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il fout. Ah oui, quand il est mid-bar, il se suicide. J'ai oublié. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça. Ok. C'est beaucoup moins impressionnant que ça en avait l'air. Faut que j'attaque. Ok. En plus, il y avait des marquages au sol pour comprendre où allaient les trucs. En vrai, il était simple, du coup. Bah, let's go! Alors maintenant, ma question, c'est notre prochain boss, c'est Mom ou alors je suis vraiment dans une merde incroyable.
que là, je commence à me dire, si ça se trouve, c'est le premier étage. C'est peut-être le... on est peut-être qu'au début, là. On est peut-être qu'au début. Eh oui. Eh oui, putain. C'est donc ça. Et donc, on peut plus retourner en arrière en plus. Ok, ok, je vois. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a des trucs pour plus tard, ok. Je comprends mieux pourquoi il y a les objets de Lush, je comprends mieux pourquoi il y a les objets de Guppy aussi. Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être pris la boule de Guppy alors. Il y a vraiment un connard qui a mis Mark, toi. Il y a vraiment un connard qui prendrait ça. Après, c'est Tears Up quand même. Hein. C'est Tears Up, hein, donc... pas de forme, mais bon. Bon, qu'est-ce qui serait intéressant là-dedans? Ah, bah du coup, le plus 10 de luck pour la... La Toast Love, ce serait bien, effectivement. 100% de chance de tirer des trucs à 3,2 de dégâts, c'est pas dégueu. En vrai, y a rien qui m'intéresse de fou, hein. Genre le speed up, ok, éventuellement, mais... Mais là, va falloir que j'apprenne. Va falloir que j'apprenne les boss, là. Oh. C'est quoi ça? Abyss consume all items in the room and spawn an attack fly familiar. Est-ce que ça marche, là? Ça marcherait là-dessus? Ça, ça va être... Ouais, je sais pas. Ok, il en faut 1, 2, 3, 4, 5. Ok, il y a que 5 boss à affronter dans cet étage. Au moins, il y a moins de boss, déjà. Peut-être qu'il y en a plus. Enfin, peut-être qu'il y en a autant, mais que... on a besoin que de 5. Bon, maintenant, on a la méta, au moins. Si jamais je remeurs, j'ai une méta. J'ai une méta particulière à suivre. Ok, Monsoon, j'avais du mal à chaque fois que je l'affrontais, je comprenais pas tout ce qu'il faisait. J'espère que là ça va aller. Je sais pas ce qu'il fait quand il fait ça. Ah, maintenant je sais. Pas très lisible, hein. Mais frère, c'est quoi la range? D'accord. Bah c'est cool. Donc ça veut dire que pour avoir la méta de tous les monstres du jeu, il faut que je refasse 20 000 fois les monstres du premier. Franchement, je vais avoir la flamme. Hein. Je vais pas vous mentir que là, je vais avoir la flamme de refaire tous les premiers boss. Je vais avoir la giga flamme, les gars. Je suis désolé. Hein. Mais on va pas terminer ce truc maintenant. Hein. En fait, c'est un truc d'apprentissage, il faut connaître les boss du jeu. Et on n'a pas assez joué au mode pour connaître tous les boss, donc... c'est problématique, ça. C'est quoi la carte? Vas-y, je veux savoir ce que c'est. Ace of Hearts, c'est quoi ça? Convert All. Mais Convert All quoi, frère? Y a rien à convertir? Oh si, oh là, oh là. Oh, les pièces à la fin d'un boss. Oh là là. Oh, je m'ennuie, hein. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, encore? En fait, ça va être ça, le problème. C'est que là, la plupart des boss de ces trucs-là, je les ai affrontés une fois ou zéro. Deux, si j'ai de la chance. On l'a affronté une fois, je crois que j'étais OP, donc je sais pas ce qu'il fait. Ah, c'est cool, il a l'air d'être rapide. Oh là 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 là. On est dans la merde. Ah, si tu détruis les rochers, moi ça me va, frère. Ok, bon, ça c'est lisible. Ah, j'ai failli me les prendre, mais bref. Et bah c'est cool, je pouvais rien faire. Toujours agréable de se prendre des trucs que tu peux pas esquiver. Hein. Vraiment, c'est un vrai plaisir de chaque instant. Tenir le plus loin de lui à chaque fois. Ok. Bon, au moins, j'ai pas pris beaucoup de dégâts.
Alors je pourrais faire un truc, c'est-à-dire, je fais Ace of Hearts là maintenant. Et comme ça, j'ai 7 cœurs que j'utilise quand je veux. Oh, ça c'est huge. Oh, ça c'est huge. Ok. Je vais me débarrasser de ce de merde là. Oh ta gueule, c'est bon, on a compris qu'il y a des bons objets. Oh, je suis à deux doigts de prendre le cœur squelettique. Hein. En fait, niveau... En vrai, là, niveau objet, quasiment rien qui m'intéresse. À part éventuellement Little Steven ou Lost Contact, mais Lost Contact, c'est un faux bon objet. Parce que c'est un... C'est du DPS en moins. Ah ça, par contre, c'est bien aussi. Hein. Un tier up garanti pour chaque boss où je me prends un dégât. Sachant que je risque de me prendre un dégât. Après ouais, on peut regagner de la vitesse, hein. ce serait pas déconnant non plus, je suis d'accord, mais... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah oui. Oh, ça va être un boss vert? D'accord, il y en a un deuxième, c'est cool, c'est sympa. Là, il va y avoir le gros vert? Non? Ok. Kingpin, on l'a jamais vu. Quoique, ça me dit quelque chose maintenant. Mais ils sont deux, quoi. Ok. Je vois un petit peu le délire du boss. Quoi? Pourquoi ils sont trois? Il faut vraiment tirer sur la tête, ok. Sinon, ils se divisent. Et plus il est petit, plus il va vite, bien sûr, ok. Il faut bouger en permanence, quoi. Ah, ici. Bon, en soi, il est plutôt plutôt easy à comprendre et plutôt easy à battre aussi. Il a changé de trash, l'enfoiré. Ça m'a brain. Quoi, il vient d'où lui? Allô? Non mais le boss a bugué ou juste je me fais baiser ma race? D'accord. Je peux toujours pas acheter l'objet. Oula, un boss araignée. Ce qui est bien, c'est que le jeu annonce la couleur à chaque fois. Oh bah ça va! Et puis quoi après? Ok. Ok. Stratégie de base, on reste loin de lui. Ok, pour l'instant ça va. Et ça semble plutôt logique. C'est Spider-Man. Ça, il faut les tuer le plus vite possible parce que ça fait du poison partout. Ok, c'était un non-événement finalement. Alors vous allez me prendre pour info, mais je crois que je vais prendre aucun objet et je vais économiser pour les prochains, parce que à mon avis il va y en avoir d'autres. Ça on l'a fait, on est d'accord. Ouais. Je vais économiser. Attends, pourquoi j'ai un troisième fantôme là? Il sort d'où lui? Je vais économiser peut-être pour mon prochain. Ah non, mais c'était normal, hein. Je l'avais juste pas prise. Il faut que je réfléchisse. Est-ce qu'il y a un objet qui me semble crucial là ou est-ce que je prends des dingueries après, derrière? C'est juste de la speed, sachant que c'est pas si dégueulasse d'avoir la speed, hein, mais... Là, j'ai 10% de chance de faire 3,2 de dégâts. J'ai pas de luck-up. Les autres objets... Franchement, Little Steven, c'est... En soi, c'est pas dégueu, Little Steven, mais... Putain, je comprends mieux pourquoi il y a l'autre, aussi. Tu peux tanker sur la transformation en Cogine, aussi. Oh là là. Il y a un autre familier au prochain, c'est sûr et certain.
Merci beaucoup, Ingori. On est sur un défi de Fiends Folio sur Isaac, qui est un boss rush de tous les boss du mode. Et c'est compliqué, mais c'est cool. Ça me déporte. Non, t'as pas compris. Je suis la porte. J'hésite, hein. J'hésite vraiment à prendre un truc ou à Echo pour le prochain round. Bon, allez. Quand même, ça fera du bien à speed. Qu'est-ce qu'il faut laver ? D'accord. Oh, le Steven, là. Oh, le Steven. Elle est pas de familier, finalement. Mais BFF, par contre. Ok. Alors, piercing tear, ça serait pas dégueulasse. Technologie. Oh, technologie. 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 Il va falloir que j'attende deux étages avant technologie. Deux boss. Alors que j'aurais pu l'acheter tout de suite. Je vous déteste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh là 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 là. Et je suis sûr que le boss final, c'est une mom rose, du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ok. Alors là, ça va être quasiment que des boss inédits, hein, vraiment. What the fuck? Oh, il va spawn des trucs. Hein. Je crois qu'on l'a déjà vu une fois, il y a très longtemps, dans l'ancienne version, avant Repentance. Ok, oh là là. Le miracle! Le bâtard, il spawn des boss. Il prend même pas de dégâts sur ces boss-là, vraiment? Oh ouais. Un peu abusé. Ah ouais. Ouais, ça rigole pas. Hein. Oh, tu rigoles vraiment pas, le boss, hein. Mais what the fuck, frère? Oh, quel connard. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Calme-toi, 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 calme-toi. Bah, c'est bien. What the fuck? Trop stylé! Mais non, mais attends, mais frère! Mais calme-toi! Mais il est trop fort! Il a trop de faces différentes là, frère! Oh, il est horrible lui, hein! Meurs, 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 meurs. Oh la vache! Oh là là! Oh, il met pas bien lui, hein. Bon, warp zone. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Ouais, c'est pas le moment de découvrir des monstres là. Allez. On l'a vu une fois, lui, mais je me souviens vraiment plus ce qu'il faisait. Oh putain, c'est Undertale. Ah oui, d'accord, bah c'était clair qu'il allait faire ça, effectivement. Merde. Ah bah oui, bah je me doutais qu'il allait faire ça, justement. J'étais littéralement en train de me dire, il va shooter un truc avec sa main. C'est littéralement un boss de jeu vidéo. Bien joué à toi. C'est effectivement un boss de jeu vidéo. Je l'aime pas trop, hein, pour être honnête. Il casse les couilles, putain. Il casse les couilles, frère.
C'est bien, j'essaie de le toucher mais j'y arrive pas. C'est horrible! Ah, je suis désolé, hein, je le refais pas ce soir, moi. Je refais pas ça ce soir, c'est super long. Il laisse pas une seule seconde pour le frapper. J'ai littéralement les homing missiles. J'ai les tirs homing. Si j'avais pas les tirs homing, ce serait encore pire que tout. Quoique, en vrai, le fait qu'il soit homing, c'est peut-être contre mon avantage contre lui. Parce que comme il bouge trop, les tirs, ils ont pas le temps de le... Je sais pas, j'ai envie de péter un plomb. Ah, ça saoule parce que le défi est vraiment cool, mais je pense que je vais le faire plus tard. Hein. Je le referai une autre fois parce que là... Putain, si j'avais pas acheté la speed, j'avais tech et puis je roulais sur tous les boss. Hein. J'aurais vraiment dû écho, hein. J'aurais vraiment pas dû vous écouter avec la speed. Hein. Aïe aïe aïe, c'est pas grave. Le challenge est vachement intéressant, je le referai certainement une autre fois. Donc The Gauntlet, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi The Gauntlet par contre. Ah si, peut-être le bracelet, genre... comme celui de Thanos, je sais pas, non. Tu dois rassembler les pierres d'infinité en butant tous les boss, je sais pas, je comprends pas. Mais ok. Intéressant en tout cas ce défi. YouTube, des bisous, il y aura sûrement une revanche un jour. Le moment où je connaîtrai un peu plus tous les boss du jeu, quoi. Ce qui va pas être facile en vrai, parce que j'ai que 5 défis à faire, et après j'ai plus rien à faire dans le jeu, quoi. Donc bon, on verra. The Gauntlet, ça veut juste dire une épreuve en anglais. Ah, peut-être pour ça alors. Bisous YouTube, c'était quand même intéressant. Quand même. À bientôt. Salut mon pote.